Salut! On est dimanche le 11 février et là je m'en vais à Hallstatt. Moi et Marion on s'est quitté. Elle va à Graz, dans le sud, un peu plus au sud de Vienne. Moi je m'en vais à Hallstatt dans les montagnes. C'est un petit village perdu dans les montagnes puis c'est ben cute. Je dis ça mais je ne l'ai pas vu mais je sais que c'est cute. Puis là mon train était en retard un peu. Puis j'ai pas eu le temps d'acheter mon ticket à la machine. Fait que là, j'ai pris le train pareil. Là, le monsieur, il me. Ben là, qui contrôle, il était genre, ben là, il y a ton ticket. J'ai comme, ben, je l'ai pas. Là, j'ai fait de ma nouille sympathique encore. J'ai pas eu besoin de payer d'amende. Une chance. J'ai juste eu 3 euros de frais de plus, mais bon, ça va. Comparé à ce que je pourrais payer. Oh mon Dieu, oh, regardez. Oh là là. Je disais que j'avais pas payé, j'avais juste payé 3 euros de frais, ce qui est pas si pire, comparé à l'amende que j'aurais pu avoir. Voilà, ça c'est moi qui joue avec le feu tout le temps qui m'achète pas de ticket. Mais je voulais l'acheter, c'est juste que j'avais peur de manquer de temps et de manquer le train. Là c'est vrai, là, je voulais l'acheter, j'étais de bonne foi, mais des fois je le suis pas tout le temps. Bon, fait que je vous reparle, rendu là-bas, bye! Je suis arrivée à Hallstatt, fait que là on prend le petit bateau qui est là. On va aller à Hallstatt. Hallstatt qui est juste l'autre bord de la rive. Pour vrai, sur le bateau, il y a juste des Asiatiques. Genre, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Italien, il n'y a pas d'Américains. Genre, juste des Asiatiques. Pour vrai, je sais pas ce qui se passe. Tu sais, je fais partie de la gang parce que moi-même, je suis Asiatique. Mais c'est vraiment drôle. Fait que là, c'est ça. Peut-être que je vais me faire des potes. Peut-être que je vais retrouver ma mère, un des deux. Tous les deux. On sait qui c'est. Hein? On sait pas. Fait que regardez, c'est juste des Asiatiques. Je sais pas si quelqu'un comprend qu'ils parlent français, mais en tout cas, je penserais pas, là. Mais, ouais, je suis vraiment... Je me fonds dans le paysage. Je vais aller en haut ici, la genre de pointe. Mais je crois que c'est fermé là, parce qu'on est dimanche. Fait que ça m'étonnerait pas que ce soit fermé parce qu'en Europe, tout est fermé le dimanche. Mais parce qu'il n'y a personne dessus. Fait que c'est sûr qu'il y aurait du monde là-dessus si ça serait ouvert. Puis il y a un funiculaire ici. Puis il n'y a pas l'air de fonctionner non plus. Fait que je vais aller me renseigner, mais j'aimerais vraiment ça monter en haut là-bas. Finalement, je suis montée. C'était ouvert. C'est juste qu'il n'y avait personne. Mais là, il y a un chemin pour monter en haut qui passe juste ici. Mais j'ai pris le funiculaire parce que je passe juste quelques heures ici puis je voulais pas manquer mon train puis me mettre dans la merde comme tantôt. Fait que là, je m'en vais sur la pointe ici. Puis là, il y a des gens. Il y a plein de gens. Je sais pas pourquoi tantôt, il n'y avait vraiment personne. Puis ici, de ce côté-là, il y a des mines de sel, il y a une exposition par là-bas, puis je pense que tu peux les visiter. Mais ça m'intéresse pas vraiment, donc je suis juste venue voir la vue. Mais si ça vous intéresse un jour, éventuellement, ben vous saurez qu'il y a ça ici. Fait que ça, c'est mon setup pour prendre des photos. Quand il n'y a personne pour prendre des photos de moi, je m'organise avec ce que j'ai. En ce moment, j'ai de la neige. Bon, fait que je suis redescendue, puis je voulais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en haut, au Skywalk, il y avait un monsieur qui n'arrêtait pas de me prendre en photo avec une autre Asiatique. Il était vraiment tannant. Fait que là, quand il est parti, ben, on s'est mis à se parler. Puis elle me dit « D'où tu viens? » Fait que là, je dis « Je viens de la Chine. » Là, elle dit « Ah ouais, puis là, elle dit, tu viens de où? » Fait que là, je dis « Nanchang. » Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas de c'est quoi. Fait que là, je lui montre sur la carte, c'est où? Fait que là, elle fait « Ah,
je connais pas ça. Je suis comme, ah ouais, tu viens d'où? Fait qu'elle vient de la Taïwan. Puis là, elle m'a demandé comment je m'appelais. J'ai dit mon nom en chinois. Puis là, elle m'a dit, t'es vraiment poche en chinois, hein? Parce que je te comprends pas. J'ai comme, ben, en effet, je suis poche, je parle pas cette langue-là. Donc là, j'ai expliqué que j'étais adoptée, puis tout. Puis elle trouvait ça bizarre. En tout cas. Fait que là, ça va être la conclusion du vlog. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous avez trouvé que c'était vraiment beau à chat, puis que vous allez vouloir venir un jour. Puis, parce que, sérieusement, là, c'est vraiment beau. Puis, autant qu'en hiver, que je suis sûre qu'en été, c'est encore plus beau, mais je suis contente de l'avoir vu en hiver parce que c'est beau pareil, là. Mais c'est ça qu'on disait avec Marion. À chaque jardin qu'on voyait ou à chaque place qu'on allait, on se disait « Ah, c'est beau, mais sûrement qu'en été, c'est plus beau, t'sais. » En tout cas, je suis contente d'avoir vécu ça l'hiver, quand même. Puis, ça fait qu'on se revoit dans un autre vlog qui va être dans pas longtemps. Mais là, je vous réserve une surprise. Fait que, restez à l'affût pour voir qu'est-ce que ça va être. Merde, j'ai oublié de dire « Tchuss! »